Mesdames et messieurs, bienvenue au Discoveryland Theater pour la soirée Star Wars. Ladies and gentlemen, welcome to the Discoveryland Theater for Star Wars Night. Merci d'accueillir. Please welcome our master of ceremony, Alyssa Landry. And welcome, bienvenue, nous sommes ravis de vous accueillir ce soir à cette conférence Star Wars. We are just thrilled to have you here tonight for the Star Wars conference. Le saga Star Wars fascine des générations depuis bientôt 40 ans. Et pour nous en parler ce soir, nous sommes heureux d'accueillir quelqu'un qui est fan depuis la première heure. The Star Wars saga has been fascinating generations of moviegoers for the last 40 years, almost 40 years now. And tonight we're really happy to be able to welcome someone who has been a fan from the very beginning. Let's present him to you. Avec quelques images, on va vous le présenter. Patrice Giraud, bonjour. Vous êtes le grand spécialiste de Star Wars en France. Vous écrivez dans Star Wars Insider. Vous avez édité pendant 15 ans le magazine officiel de la série. Il y a un nouveau Star Wars qui va sortir en décembre prochain. Vous avez quelques petites infos. Vous avez des craintes aussi? Non, parce que Disney est un studio merveilleux. Il n'y a qu'à voir ce qu'ils font avec Pixar et Marvel. Il y a une super productrice à la tête de chez Lucasfilm, qui est Kathleen Kennedy, qui était le bras droit de Spielberg depuis 30 ans. Eh ben, on va accueillir les acteurs de Star Wars. Vous avez entendu la voix de C3PO dans plusieurs pays, j'imagine. Oui, je me sens totalement inclus. Je crois qu'en enfance, c'est la meilleure. Oui. Ah, au-delà du marketing, il y a quelque chose qui relève de la passion. Vous savez, Star Wars, finalement, il ne devait pas y avoir d'autres films. Lucas avait dit en 2005 qu'il n'y aura plus de Star Wars. Ouais. Et finalement, retrouver Harrison Ford dans le rôle d'Han Solo, c'est comme retrouver quelqu'un qui était mort, qui revient. Finalement, c'est quelqu'un de votre famille qui revient et on est tous super contents. Han Solo. Alors, Han Solo dans la carbonite, hein, ça a été fait chez ILM, la boîte d'effets spéciaux de George Lucas. Donc, ils ont effectivement moulé vraiment le visage d'Harrison Ford avec ses mains, mais tout le reste a été sculpté par des maquettistes. Le torse et tout le reste, c'est des effets de métal partout. Qu'on voit sur les écrans, qu'on voit dans les bouquins, on peut enfin les approcher en vrai et voir le pot dresseur taille réelle. Ouais, c'est impressionnant, on dit waouh, wow, c'est superbe. C'est la magie de ce qui a été créé dans les films qui se transmet dans les jouets et qui donne envie aux enfants de les avoir. Le dernier film date de 2005, les produits dérivés marchent toujours autant. Donc de toute façon, la marque Star Wars est plus forte que son créateur aujourd'hui. Ladies and gentlemen, merci d'accueillir. Please welcome Patrice Giraud. Hello, Patrice. Thank you for being with us tonight. Merci d'être venu ce soir. Alors, vous avez vu le film? Deux fois. Deux choix. Et alors? Ah, je peux rien dire. La surprise. Ah non, je suis pas. Courez-y vite. Alors donc, vous êtes fan de la saga Star Wars depuis le tout début? Eh oui, je suis tombé dedans à 10 ans, sur les Champs-Élysées, octobre 77, voilà, avec mon grand frère. Bonjour, bienvenue dans les entrepôts de science-fiction-archive.com. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite visite privée de nos archives Star Wars et on commence tout de suite avec derrière moi l'incroyable vaporateur d'humidité qui a été utilisé par George Lucas en 76 sur la guerre des étoiles. Et maintenant, je vous propose de me suivre dans le reste de la collection. Et voici donc dans notre showroom. Et ici, je vous ai présenté une petite galerie d'objets Star Wars, pas des moindres, bien sûr. Et on va commencer ici avec un véritable R2-D2 fabriqué pour l'entrée contre-attaque,
construit par la société White Horse en Angleterre et qui a eu la chance de garder R2-D2, c'est là où on l'a récupéré il y a une vingtaine d'années. Et ça en fait le seul et unique R2-D2 hors des collections de chez Jean Lucas. La célèbre, fameuse veste de Luke à la fin de la guerre des étoiles, qui est un peu le symbole de la toison d'or. Et ici, donc, on la présente avec la médaille de Han Solo. À la fin du film, normalement, la médaille de Luke devait être donnée à George Lucas et la médaille de Han Solo à Gary Kurtz. Et c'est comme ça que nous l'avons récupérée. Il s'avère que George Lucas, apparemment, n'a jamais reçu sa médaille. Et donc, dans les archives de chez Lucas, ils n'ont aucune médaille de cette séquence, que la seule au monde, donc, et donc ici, devant vos yeux. Là, je vous présente une pièce vraiment unique. Il faut savoir que sur la guerre des étoiles, il y a eu deux cases de Dark Vador qui ont été fabriquées. I've been waiting for you, Obi-Wan. We meet again at last. Un n'existe plus, semble-t-il, a été détruit. Et voilà le second, donc le seul rescapé de la guerre des étoiles, et c'est donc le casque original de Dark Vador que l'on voit dans le film. Et en plus, on peut le repérer parce qu'ici, il y a une sorte de petite marque qu'on peut repérer facilement dans le toit. Voilà donc une belle pièce unique de notre collection. Voici la main de Luke Skywalker dans l'Empire contre-attaque. Donc c'est la fameuse séquence où Luke se fait couper la main par son père. Et donc on avait affaire à l'époque à des effets spéciaux rudimentaires. Mark Hamill avait sa main comme ça, Dark Vador lui coupait la main, il appuyait et la main était éjectée. Voilà, trucage rudimentaire à l'ancienne, pas besoin d'image de synthèse. Alors cette pièce est étonnante bien sûr, mais on la connaît pour l'histoire qui est dans l'Empire contre-attaque, elle avait cette mythologie. Mais avec le nouveau film qui arrive, qui s'appelle Le Réveil de la Force, on va regarder cette pièce avec un nouvel angle, puisqu'il semblerait que le fameux sabre perdu dans l'Empire contre-attaque se retrouve dans Le Réveil de la Force et soit une nouvelle aventure pour cette pièce. Voilà. The Force is strong in my family. Voilà, j'espère que ce petit florilège d'objets Star Wars vous a plu. Sachez que tous ces objets voyagent dans des expos ou sont présentés dans des livres. Et puis j'espère qu'un jour, vous aussi, vous aurez la chance de les voir. J'ai de la chance de vous voir. Rappelons-nous le personnage de Boba Fett. Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, merci d'accueillir, please welcome Jeremy Mullen. Also known as Boba Fett, I'm sure you realize that. You're next. Now behave. Oh my goodness. I'm Boba Fett. Boba Fett, sit down, please. Oh, yes, sir. Well, here we all are. Here we all are. So the two of you met on that shoot in The Phantom Menace when you were Boba Fett and you were being a fabulous extra. Yes. Voilà. Ils se sont rencontrés sur le menace fantôme, c'est comme ça. La menace fantôme. Voilà. But it was terrible. Huh? I wouldn't have been. He was awful. He was awful. Oh. My goodness. And what do you think? How did Jeremy play the part of Boba? Was he all right? He was the best actor. C'était le meilleur acteur. On compare souvent Boba Fett à Clint Eastwood hein, dans les westerns italiens. Ouais. Ah, saying that Boba Fett is often compared to Clint Eastwood. There's silence in the audience. The audience. It's purple, I
relaxing, isn't it? It reminds me, Clint Eastwood with the cape. Boba Fett has the cape, and there's something about him, the wonderful scene with Clint Eastwood, and he's smoking a cigarette for hours, it seemed to go, and then finally he got his man. But that's what Boba Fett does. He just sits about in a fast plane, well, slave one, and he just does his own thing. Il dit que c'est vrai que Boba Fett ressemble un peu à Clint Eastwood parce que finalement, il est là, dans son avion super puissant, et il fait ce qu'il veut, comme Clint. Il a travaillé sur 2001, l'Odyssée de l'espace, il a travaillé sur deux James Bond, il a été producteur associé sur l'épisode 4, réalisateur troisième équipe sur l'épisode 4, producteur de l'Empire contre-attaque, du Retour du Jedi, d'Indiana Jones l'Arche perdue, d'Indiana Jones et le Temple maudit, d'Indiana Jones et la dernière croisade, de Roger Rabbit. On pose qu'on l'appelle... Monsieur Robert Watts. Fiction movies, or is it a genre that it's just one among others? I can't say I was particularly a science fiction buff, but of course when I did 2001 A Space Odyssey, it began a kind of pattern, and then of course Star Wars came along many years later. Now I am a science fiction buff. I wasn't particularly before, you know. Say like Indiana Jones was more the kind of thing I like, but I love it now, and I'd love to see it here. It's absolutely wonderful. Je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements pour Monsieur Robert Black. Que vous étiez les pionniers et que vous aviez laissé cet héritage technologique à toutes ces générations après, et ça a influencé le cinéma que vous connaissez à 90. I met Gary Kurtz, who was to go on to produce Star Wars. Long before they made it, George Lucas at that time was making a film called American Graffiti. And I had to meet Gary in Los Angeles. So come the time when Star Wars was gearing up,
I got a call from 20th Century Fox asking me to come in and meet Gary Kurtz. Somewhere or other, I got the job. Well, I got the job. I knew John. I'd worked with him on a couple of TV commercials that he was doing when he was at Doug Trumbull's. And he called me up one day and he said, I got this movie. I want you to do the optical composites and shoot the miniatures with me. I said, okay, well, what's the name of this? What's the program? Tell me about this. It's a movie called Star Wars. Well, what does that mean? It's science fiction. It's going to take 2 years. No. I can't do it. It's way too long. I don't want to do a two-year project. And he said, well, think about it, and I'll call you in a week. And he called me in a week, and I said, no. And he said, look, come in. We will take care of you for 2 years. We don't have to worry about getting work. I said, oh, you know, you've got a point. Okay. Donc au début, en fait, lui, il faisait de la pub quand on lui a appelé pour venir et s'occuper des effets spéciaux. Et il a dit, ah non, science-fiction, Star Wars, non. Oh, 2 ans, hein, non. Donc il a réfléchi pendant une semaine et quand on lui a rappelé, il a dit, non, 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 c'est pas possible, 2 ans, c'est pas possible. Et on lui a dit, bah oui, mais 2 ans, on s'occupe de toi, t'as pas besoin de chercher du travail. Donc il s'est dit, well, bon, d'accord. So neither of you knew what an incredible success this was going to become. Merci. Alors, vous avez compris maintenant qu'on vous montre un documentaire inédit en France sur Star Wars. We're going to leave you now with a documentary that has never been seen in France about Star Wars. Merci à tous d'être venus. Thank you all so much for your attention. It was a real pleasure to have you here tonight. And tonnerre d'applaudissements encore une fois pour Patrick Chéry.